Trois Coupes du Monde, trois Ballons d'Or, quatre Ligues des Champions, Angel Di Maria. Alors là, Ligue des Champions ou Coupe du Monde, on va essayer de faire les Coupes du Monde tout de suite parce que c'est peut-être le plus compliqué avec les Ballons d'Or, évidemment. Adriano, il prend la Coupe du Monde, d'accord, non? Non, j'ai un doute là. J'ai un doute, il prend la Ligue des Champions. Puskás, il prend un Ballon d'Or, le frérot. Müller, bah, il prend un peu tout, hein. Il prend un peu tout, donc on va lui donner une Coupe du Monde. Neuer, il prend Coupe du Monde, Ligue des Champions. Bah, on va lui donner la Ligue des Champions là. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Paolo Maldini, alors l'autre fois, vous m'avez repris, je pense qu'il n'était pas là en 2006. Ligue des Champions, ça c'est bon. Wayne, il prend une Ligue des Champions. Ok, pour l'instant, il nous manque deux ballons d'or et une Coupe du Monde. Rijkaard, il prend un ballon d'or. Non? J'ai un doute. J'ai un doute. Non, je crois pas. Je crois pas qu'il prend un ballon d'or. On va skip. On a encore deux skips derrière. McAllister, oui, il prend une Coupe du Monde. On le sait bien. On le sait bien. Casillas, il prend une Coupe du Monde, il prend une Ligue des Champions, mais il prend pas du tout de ballon d'or. Allez, deux ballons d'or à trouver. C'est si dur que ça. Bah non, le frérot, lui, il prend pas du tout, non. Varane, il aurait mérité. Il aurait mérité. Ah, j'aurais dû tout de suite. J'aurais dû jouer les ballons d'or tout de suite. Charlton, c'est pas ma génération, mais je pense qu'il en prend un. Beckham, non. Je sais pas combien de droits. Je pense que ça doit être le dernier skip là. Romario, il prend un ballon d'or à l'ancienne. Est-ce qu'il prend un ballon d'or, le frérot?